parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, a brouillé ses villages jusqu'à sous nos fenêtres. Les syllabes garnies qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famille et toi qui vis posais nu. La bohème, la bohème. Salut les gars, vous allez à Bruxelles? Ouais. Mais aussi monter les gars, le coffre est ouvert, faites comme chez vous. Aide-les, Aziz. Vas-y, faites vite, on va griller le feu, les mecs. Faites vite. Ah, oui, putain, les mecs! Ah, c'est cool, hein. Putain, vous avez c'est une super sympa. Chatte, hein. Parce que bon, faut être honnête, hein. Les autostoppeurs, on n'en prend jamais. C'est pas vrai, Med? Il a raison. Une gonzesse, encore, ça passe. Mais deux mecs d'un coup, deux mecs, c'est dur. On avait un pote, Guérin. Dis-leur, Laurent. Guérin, il est resté à la même place où on vous a pris pendant une semaine. Le pouce congelé comme ça, comme une statue. Guérin. Hé, bracassé, t'en mets pour 25. Hé, les mecs, ça vous dérange pas de régler le premier plat? On paiera le second. Bruxelles, c'est pas la porte d'arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais enfin, nous, on a 100 balles, quoi, à deux. Jusqu'à Bruxelles. Ouais. Non, mais attendez, là. Parce qu'on vous régale à bouffer, c'est de bonne guerre, non? Hein? Et il a raison, c'est de bonne guerre. Ouais, ouais. Allez, faites un effort. Ouais. Vous êtes d'accord, les mecs? Bon. Bonjour, c'est la 5, oui. C'est 200 francs. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, les cons, ils me tirent la caisse là! On va prendre deux mars, s'il vous plaît. Une fois de plus, c'est Neige Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit qu'on pouvait vivre l'amour et l'eau fraîche. Mais laisse-moi vivre. Beaucoup de gens trouvent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller quand il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas de caillasse, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feu que l'on appelle Jean A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée, ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller péter ou aller faire des cas. Soit c'est soit ça, ou soit devenir clochard, c'est soit ça. Oh non, tes mains, comment il se l'a donné, le petit salopard? Oh non, putain, j'ai rien trouvé! Putain, mais ça merde! Oh non! Qu'il a, la vis! Oh non, les pages, elles sont toutes collées et tout! C'est dégueulasse! C'est pas Bruxelles qui donne rien, c'est Amsterdam! C'est bidon, arrêtez de kiffer sur ces trucs-là! J'ai jamais parlé de mon cousin Rachid! Non? Rachid! Tellement qu'il a une grosse gueule, mais le jour quand il s'est marié, il envoyait sa meuf directement à l'hosto! Non! Mais cette famille, on est tous bien montés, qu'est-ce que vous voulez? Il te donne ça mytho, va. Mais si, oula, sur la vie de ma mère, là-bas au bled, il est refusé chez les teupus. Tellement qu'il en a un gros, il est bagué. Il est bagué? Ouais, on lui a mis une bague autour de la bite, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il est bagué comme un pigeon, pour qu'on puisse le reconnaître. Mais non, c'est un truc qui s'attache quand t'es en érection pour pas faire de mal à la meuf. C'est un œil de biche, c'est un poil de cerf, c'est du cuivre, c'est quoi? Mais non, t'es fou, ça déchirait ces trucs-là, c'est en bois. T'as vu qu'on était petits, qu'on jouait avec les jeux de qui, là? Au Fort de Star. Voilà, la même. Sauf qu'on peut l'ouvrir. Enfin, mon cousin Rachid, il arrive à Paris 100% choroto. Il est persuadé que les meufs, elles en veulent la mort. À peine débarqué, tu sais ce qu'il me dit? De l'emmener faire une virée chez les teupus. Je l'emmène et tout. À peine monté là-haut, j'entends crier. Il avait explosé la meuf. Putain, elle avait pas mis sa bague? Le sous-mac s'en mêle, les keufs, ils arrivent, ils prennent Rachid. Oh non. Depuis ce jour, il est au bled expulsé. Il n'est jamais revenu. Putain. C'est pour ça que je vous ai dit arrêtez de kiffer sur ça. Maintenant, quand je vais à Paris, je vois une pute, je le crache dessus. T'as raison, sur la tête de malade, t'as raison. Viens là, 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 vi
ça pousse. Sortir. Non. Allez, pousse, ça pousse les gars. Samba de là. Ah oui. Vas-y, shoot-le, Jamel, shoot-le là. Oh là là. Le kick, le kick. Vas-y, Jam. Vas-y, Jamel. T'as allumé ce coup-là. Arrête de chambrer, toi, vas-y, viens. Vas-y, vas-y, fais un bon sommeil. Fais pas, Jamel, tu sais très bien que je peux plus combattre après mon opération des ligaments du genou. Alors arrête de décoller. Jamel, tu sors en boîte avec nous. J'ai pas de thunes, là. C'est pas grave, on va te débrouiller. Mais non, c'est pas grave, tu fais pas la conso. On emmène du tébou, on n'a pas à sortir de thunes. Et en plus, tu savais quoi? Je connais le patron, obligé nous laisse rentrer. Tu sais quoi, Jamel? On a le plein d'essence. Ah ouais. Alors, vas-y, viens avec nous. Viens, si Jamel. Oh, c'est bon. C'est bon. Vas-y, yes. Don't make love, man. You wiggle me, I'm my baby. You wanna love, oh! Regarde le français avec ta main de Fatma. Il prend pour un robeux. Allez, s'il te plaît, enlève-moi ça, m'enlève-moi ça. Attends, je suis pas un arabe, moi. Je suis un kabyle, mon pote. Grande kabylie, Tizi Ouzou. Nahaddin, va. Attends, tu te fous la race de qui, là? Tu veux aller faire la petite chatte de robeux, c'est ça? Tu veux que je te gifle? Laisse tomber, Aziz. T'as arrêté de vous prendre la tête, là. Eh, hey, Jamel, c'est des vrais coffres-forts, les Arabes. Ma parole. Ah ouais? N'empêche que t'aimes bien te faire défoncer la turbine à chocolat au Balboulagne, hein. On sait que t'aimes ça. Bouffon, on va. C'est bolerie, toi. Mais c'est lui qui est en train de te chambrer, pas moi, le prends pas à moi, Laurent. Non, moi, c'est quoi qui me fait bander, moi? C'est quand je vois ta grosse maman, tu vois, en train de se faire manger sa tarte au poil par deux gros renois, tu vois. Ah ouais? Eh, vas-y, lâche. Oh, reste tranquille. Arrêtez de vous en prier. Arrête, toi aussi. Bon, vous savez pas comment ça vous embrouillez tous les deux là. On rentre sinon, y'a pas de soirée. Putain, mais arrêtez, vous êtes des gamins, arrêtez, oh. C'est samedi soir, toi aussi, décolle pas, Jamel. C'est pas moi, vas-y. On peut s'amuser quand même. On va pas se prendre la tête entre mecs de la cité. Si toi t'es chaud, on va dehors, on prend des mecs au hasard et on se tape. Vas-y, arrête-toi. Arrête-toi, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Rentre à la maison. Vas-y, rentre à la maison. Ce que je veux, putain. Vas-y, rentre à la maison. Tu la touches pas, Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il est, il bouge, le démon. Je te jure, je me retenais pas, je vais tuer. Elle traîne, elle a pas traîné, c'est tout. T'as vu l'heure qu'il est? C'est quoi cette bande de tenards? C'est des fils à papa qui jouent à l'étudiant. Faut un intellectuel, en vérité, ils ont une bite dans la tête. Une bite dans la tête. Arrête de la faire chier, ta sœur. De quoi tu te mêles? Tu me reproches quoi? Qu'elle veuille s'amuser, c'est ça? T'as une sœur, toi? Non? Alors pourquoi tu parles? Ferme ta gueule. Attendez-moi là, je reviens. Tu vas où? Je reviens. Tu vas où? Je reviens. Putain, elle est casse-couille. Salia. Qu'est-ce que tu me veux, là? Je m'excuse pour Metz. Je vais pas m'entendre parler de ce mec, c'est un gros con. Il est un peu lourd, mais il est pas comme ça, dans le fond. Je peux pas aller boire un verre avec des copains, mais vous êtes tous pareils. Je suis pas comme ça, moi. Ça fait chier de te voir pleurer. Tu vois, j'avais d'aller lui casser la gueule à Metz. Bah vas-y, mais t'attends quoi, là? Vas-y, casse-lui la gueule. Mais tous des grandes gueules. Putain, Salia, merde! Me touche pas! Viens, retourne boire un verre avec tes copains. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Rien. Fais de la peine, c'est tout. Mais garde-la, ta peine. J'en ai rien à foutre de ta peine. Je veux voir personne. Je veux rester seule. Tu comprends? Lâche-moi maintenant. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai été acheter des clopes. Vas-y, démarre. Je sens que dame, une place en face, s'il vous plaît. Bonsoir, mes yeux, c'est pas possible. On voudrait rentrer, là. Faut être accompagné. Quatre Lascar, c'est trop. C'est pas possible. Tu connais le patron, là? Mais je suis un ami d'Hassan. Y a pas d'Hassan, ici? Mais si, vous devez le connaître. Il vient là régulièrement, tous les soirs. D'ailleurs, il tient un magasin juste à côté, là. On peut voir le patron? Le patron est parti bouffer ailleurs. OK? Vous circulez, vous bougez d'ici. Y a du monde derrière.
prendre celui-là à ma gauche, s'il vous plaît. Putain, mais qu'est-ce que tu nous avais dit? C'est quoi ce plan là? Bah attendez, on attend Hassan, Hassan il va nous faire rentrer. Pff, mais on va pas rentrer, t'as vu ce que c'est ta boîte, maître chien et tout le toutim. Il manque plus que les miradors. Écoute, si on peut pas rentrer, c'est qu'on n'est pas accompagné. Alors maintenant tu te démerdes, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je me démerde? Tu trouves des meufs? Ici, mais tu veux vous rigoler ou quoi? Y'a rien, c'est le désert, c'est Tataouine, arrêtez de me prendre la tête. Mais attends, c'est ton plan, merde. On va pas rentrer à la Tessie et passer la soirée entre couilles quand même. Vas-y, sors. Sors, ouais. Et va chasser, sors. Vas-y, sors, qu'est-ce que tu fais là? Et vous m'attendez, hein? Pas de coup de fils, hein? On est quand même à 20 bords de la cité là, ok? Va chasser, va. Vous restez là, je reviens. Oh les filles, arrêtez-vous, hein? Stop, stop. T'as les meufs que j'ai serrées dehors? Tu prends laquelle? La petite blonde, la grande? Moi, je prends la petite blonde. Vire la bouche, elle a une bouche à tailler des pipes sur la vie de ma mère. Vous allez voir, c'est génial. La musique, génial. L'ambiance, génial. Ouais, ça me fait. Pas de problème. Tu nous suis et déjà, il y a de ces problèmes. Ça va? Ça va, j'ai mal, on y va? Déjà partir? On vous plaît pas ou quoi? Non, c'est pas ça, mais on allait à un anniversaire à Regain, faut pas qu'on arrive trop tard. Vous voulez pas nous laisser là maintenant? Vous voulez pas voir un notaire? Non, non, c'est gentil, on va y aller là. Mais attends là, hein? La petite jupe, le rouge à lèvres, tu l'as mis pour qui? T'as mis une jupe? On y va, lâche là! Mais vas-y, qu'est-ce que tu te la racontes toi? Là, toi, tu pues! Toi, tu leur parles comme ça, toi, c'est pas du bétail, c'est pas de la viande, qu'est-ce que tu connais aux meufs toi? Il a raison, t'es relou, ces meufs, elles étaient sympas. Elles nous ont rendu service en modifiant leur emploi du temps. Pour qui? Pour nous? Pour qu'on rentre ici, espèce de bouffon, va. C'est vrai, il a raison, t'es pas cool, Aziz, franchement. Pas cool, c'est toi que moi là, tu me parles en calombe, balle fringue. Comment t'as me chopé là, hein? Les filles, attendez, excusez-les. Dites-moi mon beau travail que je vous envoie un bouquet de fleurs pour vous remercier, non? Vous êtes vraiment des pauvres mecs. Mais je les connais pas, je veux les rencontrer là, toi. Mais les filles, hein. Salut, Jamel. Qu'est-ce que tu fous là? Salut. T'aurais pas vu ton frère? Non, j'ai pas vu. Non, parce que j'aurais aimé te parler à son sujet. Tu sais que je le cherche. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire, là? Oh, calme-toi. Tu veux pas qu'on sorte? Ce sera mieux pour discuter dans la voiture. Viens. Viens, viens. Viens, on va discuter. Capote! Vas-y, installe-toi, Jamel. Tu vois, Jamel, ce que je fais, c'est un métier. Quand tu fais ce métier-là, t'es obligé de le faire bien. Si je vends de la mauvaise cam, regarde-moi quand je te parle. Jamel, regarde-moi quand je te parle. Je te parle de ton frère, Nordine, là. Si je vends de la mauvaise cam, les mecs, ils reviennent plus. Et même s'ils paient pas, c'est pas grave. Je leur vends plus. De toute façon, ils me paient, parce qu'ils savent qu'ils trouveront pas ailleurs. Pourquoi tu me racontes tout ça, là? Si moi je suis réglo avec les mecs il faut qu'ils me respectent. Et ton frère, c'est pas tellement pour la thune qu'il me doit. Alors il faudrait que tu lui expliques qu'il faut qu'il me respecte. C'est clair? Bon. Combien il te doit? C'est pas la question. S'ils vont embrouiller, il a qu'à aller à Orly. On n'embrouille pas les mecs de son quartier. Alors maintenant tu le préviens. Parce que sinon je vais être obligé de le mettre à l'amende. C'est clair? C'est compris? Qu'est-ce que tu me joues ton numéro de grand mafioso là? T'as oublié qu'on était à l'école ensemble? Qu'est-ce que tu fous toi à vendre de la cam? Alors mon frère, tu le laisses tranquille, d'accord? Ouais, j'ai oublié ton frère. Tu le laisses tranquille. Let me call,
voudrais, c'est qu'on ait un endroit à nous à la cité. Un endroit où on puisse faire nos fêtes. C'est rien, hein. Regarde, tout ce qu'on a, c'est une maison pour tous, avec des stages de poterie. C'est pas mesquine, ça? On pourrait faire comme le mec de Beson. Avec des stages d'informatique, professeur de rap, stages de basket. Je te jure, c'est bien, hein. Tu crois quoi, toi? Tu crois qu'on va pas te demander quelque chose en échange? On te la faire payer, cet argent. Si tu me racontes, là, ce qu'il faut, c'est qu'on se bouge le cul, putain. Regarde les mecs qui ont ouvert cette boîte. Regarde. Ils ont tout capté. Vas-y, c'est bon, lâche-moi. Lâche-moi, j'ai rien pris, putain. Putain, lâche-moi. Tu dors pas encore? كيفاش يجيني نعس وليدي وانتم برا؟ قول لي واش خوك دخل؟ لقيت بايدور يما. تعرف رحت شفت واحد الطالب قال لي كامل اللي يصر هذا في الدار خوك دايرين له السحور دايرين له السحور خوك. ايكوت سكي لو فو سي كور ديزانتوكسيكاسيون سي با مارابوم. ما تكفرش تعرف هنايا في لاسيتي كاين عندهم غير البنات انا الوحده اللي عندي جوج ولاد والغيوني راهم بزاف وليدي تعرف طالب هذاك واحد الناس ملاح عطاني واحد الكتيب هذا به يبريه في هيئة الصورة تاع القرآن حطه في البورتفوي تاع أخوك وقول له ما يقلعوش خلاص بصح ما يفتحوش خلاص 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 سمعت وليدي فك تداوم الله يحفظك يا وليدي الله يحفظك من اللعين J'éteins la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fouilles? Je t'ai mis un talisman. C'est maman qui te l'a fait faire. Vas-y, c'est des conneries. Vas-y, casse-toi, laisse-moi dormir. Et en fait, j'ai vu Malik. Il te cherchait pour une histoire de thune. C'était de te mêler de ça, toi, c'est pas ton problème. Eh, tu lui dois de la thune, tu lui dois de la thune, tu le payes. Oh là là, qu'est-ce que tu me prends la tête, là, de bon matin? Vas-y, casse-toi, va gratter. Eh, Jamel, faut que tu me laisses un peu de genre, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Faut que je fasse des courses. Qu'est-ce qu'il faut? Laisse-moi un petit peu d'argent. Il n'y a plus d'argent. Je viens de payer le loyer, là. Tu vas où, là? Je t'accompagne? Non, c'est bon, j'attends le bus. Mais le bus, je l'ai vu, il est tombé en panne au carrefour des Minimes. Allez, viens. Tu vas où, comme ça? Je suis au centre aéré. Oh, ça doit être cool de bosser avec des mômes. Pff, tu parles, les mômes, ils sont vraiment trop cons. Je les supporte plus. Moi, je suis en train de me fixer un peu de discipline, là. Je bosse sur une maquette. Une maquette de quoi? Bah, une maquette de musique. C'est du raga. Mais speed, hein. Tendance subversif. Tu veux écouter? Bouge pas. Aujourd'hui, pour la première fois, je me prends le droit de prendre cette vie-là. Il va pas tu quand même un peu mais... Tu sais, Salia, je pensais à un truc. Tu pourrais venir me voir plus souvent chez moi à la maison. Mes parents, ils sont jamais là. On se ferait des petites fêtes et tout. Ouais, t'espères quoi, là? Du tout, tu délires. Enfin...
te trouve belle. T'es trop belle, Samia. T'es la meuf la plus puissante de la cité, quoi. Bah, merci. Sérieux, hein? C'est pas le truc que je dis souvent, quoi. J'ai pas l'habitude de le dire. Peut-être tu me laisseras là ou quoi, Marie? Je pensais encore à un truc, là. Tu sais, tu pourrais faire les cœurs, peut-être, sur ma maquette, non? Bah, ça y est, on est arrivé. Je te remercie. Salut. Salut. Il est interdit de faire pipi dans la piscine. Ceux qui veulent aller aux toilettes, ils y vont avant de rentrer dans l'eau, d'accord? Oui. De toute manière, celui qui pissera dans l'eau, il aura une grosse tache rouge autour de lui. Il sera exclu et interdit de piscine jusqu'à la fin de l'année. Oh. Allez, on y va. Salut, Solia. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'accompagne les gosses, ils sont aérés. Toi, tu bosses ici? Ouais. Tu sais, je m'excuse pour hier, enfin, j'étais un peu énervée. Je sais pas si tu comprends, mais l'autre, il me prend tellement la tête. Je te signale qu'on doit être deux dans l'eau, c'est le règlement. Je m'excuse, faut que j'y aille. Écrasé ou quoi? Ça fait une heure que je tourne, je te cherche partout là pour te donner ton oseille, j'ai ton café partout. Qu'est-ce que tu me dois? Je l'ai, t'inquiète pas, c'est ça que je te dis. Alors reste pas là, parle avec des grands gestes, vas-y, je te rejoins. Vas-y, je te dis. Viens là, toi. Lâche-moi, commence pas, putain. C'est que Poisson s'est fait une overdose l'autre jour. Tu vas pas me dire que t'as pas de genre? Poisson, il est mort, Manuk. Poisson, il est mort. Poisson? Ouais, Poisson. On était chez les parents de Zarz, qui était au Toshio. On l'a entendu à gueuler. J'arrive pas à pisser. Il est sorti, il s'est écroulé. Il avait encore la ceinture avec la peupon dans le bras. Et il est tombé, Romo. Je sais pas ce qu'il a fait, ce petit bâtard. On a touché de la cheveux blanc la semaine dernière, il a dû en garder pour lui. Quoi, il s'est fait une OD? Bah ouais, c'est ce que je te dis, putain. J'ai mis des petites queues là, il bougeait plus. Bleu, il était. Alors on l'a pris, on l'a enroulé dans le tapis des parents de Zarz, et on l'a attaché sur le toit de la wagon. Sur le toit de la voiture? Ouais, sur la galerie. Avec des tendeurs. Même qu'à un moment donné, ce con-là, il a perdu une pompe sur l'autoroute. Nous, on voulait le balancer dans la Seine. Mais arrivé au pont de Suresnes, il y avait les keufs de partout. Il y avait les inspecteurs, les CRS, tout, on a péflé, nous. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, on l'a ramené chez ses remparts. On a déposé le tapis devant la porte de chez ses vieux. Chez les vieux de Zarz? Mais non, Malik, chez les vieux de Poisson. T'imagines la gueule de ses parents quand ils vont dérouler le tapis? Ils vont trouver Poisson tout bleu dedans. Elle va mortelle l'histoire. Bon, alors elle est où, la thune? Cent balles. Tu te fous de ma gueule, Nordine. 100 balles? 100 balles, alors tu me donnes 20 000 balles! On me moque! Oh là là, Adim, je te paye. Mais j'ai besoin d'un petit délai. Ça fait 6 mois que tu me parles de délai. Tu te fous de ma gueule, ça rigole pas, Nordine. Putain, vas-y, là, t'as bien fait marrer, mon histoire. Une semaine, je te demande une semaine. Je te donne 2 jours. T'as compris, fils de pute? T'as compris? Ok. Sinon, sans ma mère, je te nique ta race. D'accord. Je te fais marcher comme une meuf, t'as compris? Ouais. T'es une meuf, manque. Ouais. Dégage! Ouais, ok. Vas-y, va te faire enculer. Va te faire enculer, viens. Vous connaissez pas une gonzesse plutôt mignonne, Salia? Qui se la joue Gaori, bâtiment C? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est pas à toi que je parle. Tu sais où est Crèche? Mais qu'est-ce que tu te la pètes, Marlo Brando, là? C'est ma sœur, tu cherches, enculé. Alors si t'as pas dégagé dans les 5 minutes qui suivent toi et tes deux singes, je te nique ta sale race de fils de pute. On baisse d'un temps tout de suite, les mecs. Tu vois, mon pote, là, c'est un ouf. Il sort de centrale, il a fait 10 ans, il a perdu le mode d'emploi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
Cousin, faut que tu comprennes, ta sœur, c'était ma meuf. Et je lui ai offert des bijoux, et pas de la dope de chez les Bougnoules. Maintenant, il se trouve qu'elle sort avec un patériette, un Seffran, dénommé Christophe. Non, non, tu te trompes, ma sœur, sort pas avec des Seffran. Maintenant, tu t'arraches tout avec tes potes. Mets-toi à ma place, cousin. Il y a eu promesse, il y a eu engagement. Alors, Seffran ou pas, il faut que ta sœur rende les bijoux, puis vite fait. Quoi, tu veux t'embrouiller? Base l'affaire, laisse tomber, tu vas pas te lâche-moi, mais arrête de jouer le lèche-cul, putain, c'est de ma famille qu'il s'agit, pas de la tienne. Voilà, vas-y, casse-toi, monte. Écoute ta copine. Je vais aller chercher ma sœur, on va tirer ça au clair. Mais si malheureusement elle te reconnaît pas, toi et tes potes, je vous fais sauter, bande de fils de pute. Quoi? Là où tu vas, qu'est-ce que tu vas chercher toi? Je vais aller chercher ta sœur de tout ça, là. Casse-toi, toi. Lâche-moi. Hey, reste tranquille, reste tranquille. J'en ai une main, moi. J'en ai une main. Je vais chercher Fouzi. Dis-lui comment on embrouille. Ouais, elle va. C'est pas comme au JB, hein. Vous êtes tranquille ici, hein. Espace vert, toboggan, bac à sable pour les enfants. Passe-moi, c'est Rabah. Donc, tu veux que je te le bête, mais je te la masse à Boktao, tu la boule beau bête. Alam. Vas-y, avance. Salut, Salia. Qui c'est ce mec-là? Je connais pas. Non. Moi, tu me connais pas? Il prétend qu'il t'a donné des bijoux, que tu lui as fait des promesses, c'est vrai ça? Ça va pas, non, je l'ai jamais vu ce mec-là. Vas-y, alors casse-toi maintenant. Moi, tu me reconnais pas? Moi, tu me reconnais pas alors qu'on a joué à l'homme de fer à l'hôtel Ibis de Fontaine tous les mercredis, tous les vendredis? Ah, moi, tu m'as baisé? Mais c'est ton père, ta mère, ta sœur, ta partousée. Ouais, c'est ta grand-mère qu'on a baisé, ouais. Ma grand-mère, je vais tous vous niquer, ma bande de fils de pute, quoi. Moi, je vous laisse aller entre vous, hein. Tu tires, connard. Ton poignet, mon ton poignet! C'est moi qui me l'ai fait acheter. Ben voyons. Bon alors, t'es satisfait maintenant, ça te va? Ça. Oh! Qu'est-ce que tu veux faire, là? Alors maintenant, donne le flingue, là! Alors maintenant, vous allez tous remonter dans votre putain de bagnole et rentrer chez vous. T'as compris? Vas-y, avance. Avance, avance. Allez. Avance. Pousse-toi, pousse-toi. Avance. Avance, tu dis. Y'a vos putains de putain. Monte, monte. Allez, putain de putain. Tu t'es gratté nos pieds en tête. Fils de pute. Fils de putain de ta mère, va. Et si jamais vous remettez les pieds ici, va se terminer un coup de Kalachnikov, t'as compris? Je vous baisse! Enculé de vos races! Venez! Vite! Cassez-vous! Venez! Prends votre bagarre! Putain! Faut que je me nettoie maintenant! C'est pour ça que je veux pas tirer avec! À chaque fois, je suis obligé de te nettoyer! C'est ta faute! Ta parole est trop chaude! Faudrait que tu la tiennes, de temps en temps! Mais c'est quoi ces histoires là, sérieux? Ma soeur, elle a rien à voir là-dedans, d'accord? Maintenant, fermez tous vos putains de gueule, on arrête! On arrête! Oh oh! On va pas en faire une affaire d'état de tout ça, d'accord? De toute façon, si on revient, il y a de quoi la recevoir! Je crois qu'il a raison, mec, sur ma sœur. Écoute, Mess, ta sœur, elle est clean. Prends-toi pas la tête avec ça. C'est un mec qu'elle a dû envoyer balader, c'est tout. T'as vu le mec là-bas? Chez lui, il a au moins 20 vélos, presque. VTT, course, demi-course. Putain, c'est la vraie caverne d'Ali Baba. Et ben, dans l'immeuble, il y a personne qui sait où il habite. À chaque fois que tu prends l'ascenseur avec lui, il attend que tu appuies sur ton étage, que tu sortes de l'ascenseur, et ensuite seulement il va chez lui. Il n'y a personne qui l'a jamais vu appuyer sur son étage. Il a trop peur de se faire casser, ce bâtard. La caverne d'Ali Baba. Ouais, presque. Trop malin, ce petit PD. L'oseille poisson, c'est pas un problème. L'oseille, il y en a partout. Regarde-moi ça, regarde. Regarde-moi ça, tous ces nantis, là, ces enculés, là. Regarde ça. Je crois pas qu'ils sont gavés d'oseille, là, ces ordures. Mais il y a toujours une ouverture, poisson. Il y a toujours une ouverture. Tiens, dis-cave le raclo. Voilà. Elle est pas belle l'ouverture? Elle est là l'ouverture. Allez, viens, on va bosser. Putain! Allô! Putain, l'autoradio! Un pionnier! Trop canon! Celui-là, on peut en tirer au moins 600 balles. C'est ce qu'il y a derrière! Ton ami! Un cheval? Ouais, je me sens même remué dans les virages, je l'entends pas! On tire l'autoradio, on se casse. Non, non, attends, je crois que j'ai un plan là! Mais quel plan? Le cheval, poisson! Le cheval! Tu sais combien ça coûte un cheval comme ça? Une fortune! Une vraie fortune! Mais comment ça se fourre un cheval? Mais ça se fourre pas un cheval, poisson! Ça se rançonne! 10 briques! On peut taxer au moins 10 briques! Mais si le proprio il veut pas cracher, on lui bousille son putain de cheval. On lui coupe une oreille, on lui envoie dans une boîte à chaussures. On lui coupe la tête, on lui envoie dans un sac poubelle. Il va casquer cet enculé, c'est obligé qu'il casque. Ça te dérange pas si je te demande quelque chose? Quoi? Tu vas pas me déposer à la gare du RER? Tu flippes ou quoi? Putain, pour une fois qu'on a un plan sérieux là.
Et tu sais quoi? Si les keufs ils tirent à la station du RER, tu sais ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont t'enfermer vivant dans un aquarium. On reste pas longtemps, hein. Un, deux secondes. Vraiment deux secondes. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'allais au boulot et je voulais te remercier pour hier m'avoir défendu. Ouais, c'est normal. De toute façon, j'ai rien fait. Remarque, l'autre a l'air vraiment lourd, là. Ce mec, c'est un mec que j'ai jeté en boîte. Enfin, tu vois le roloto. Écoute, ça, je sais, ça peut te paraître con, là. Comme ça, mais... Tu m'es pas indifférente. Bon, on y va, on est en retard. Une seconde. Bon, il faut qu'on se revoie. Attends, Jamel, ça suffit, ces histoires avec mon frère. Bon, demain, à 14h, on sort comme un sale, d'accord? Putain, mais c'est un cheval de course ou quoi? Fais gaffe, c'est quoi un coup de latte? Mais non, je sais y faire, moi, avec les chevaux en colo, on a fait un stage de poney. Eh oh les mecs, on n'avait pas parlé de canasson. Allez, Bobo. Bien. Pas mal. C'est un pionnier. Bon, ben... Une semaine, hein. Après, je réponds plus à rien. Attention, les mecs, hein. Faut pas se foutre de ma gueule, hein. D'accord? Salut. T'as un beau cheval, toi. T'as un beau cheval, on va t'appeler Oseille. Putain, il a la gueule d'un trotteur. Et il y a même un plan pour se faire encore plus de thunes. C'est quoi? Putain, mais fais tourner ta tête un peu. La semence, poisson. La semence. Ah, vas-y, même toi, faut le rentrer, vas-y. Vas-y, tu mets la plus de main. Vas-y, bouge maintenant, douceur, faut le faire rentrer en marche arrière. Ouais, mais il veut pas rentrer, merde. Mais vas-y, là, putain, qu'est-ce que tu branles? Je veux pas rentrer, c'est enculé, là. Allez, Oseille, allez. Hé, la semence, tu crois qu'elle va sortir tout seul? Hé, brûle-le, bourricon, vas-y, brûle-le. Je peux sortir demain? Je voudrais passer chez une copine. Ghislaine. Qu'est-ce que tu vas faire chez Ghislaine? Bah, je vais travailler. Ah bon? Quel travail? Je prépare des activités pour le centre. Tu rentres à quelle heure? 9h. 9h? Bon, mais pas plus tard, hein. Papa, pourquoi tu la laisses sortir comme ça? Pour qu'elle aille traîner, c'est ça? Te mêle pas de ça, toi, t'entends? Ta soeur, au moins, elle travaille. Et elle pense à ses parents. Mais tu crois vraiment qu'elle va chez Ghislaine? Blavonk! De toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est de la gâter. C'est toujours elle que vous écoutez. Moi, j'ai même pas le droit à la parole. Hein? Si tu la voyais comme ça, comme un marche-doir, comme ça, j'ai honte. Tous les garçons courent après elle. Et c'est moi qui me la surveille. Pourquoi vous montez pas à la mairie et vous me riez du livret de famille pendant que vous y êtes? Ouais, bonne idée, pourquoi? Bah, ferme ta gueule, sinon tu vas tirer de grave dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je leur sors leur parole, le dossier? Tu veux que je le dise là? Tais-toi, s'il te plaît. Vas-y, ouvre-le, qu'est-ce que ça a à dire? Vas-y, en plus, elle est en train de me chauffer là. Tais-toi, monsieur. Laisse ta soeur tranquille, ça suffit comme ça. J'ai même plus envie de manger, putain, mais vous allez regretter. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, là. Toi. J'ai 68 ans du métier de l'argent et même un tremble. Putain, mais c'est quoi cette merde? Vas-y, donne la carte. C'est toi qui l'as pris. Mais non, je te l'ai donné tout à l'heure. Vas-y, commence pas. Chut. Quoi, je te jure, c'est toi qui l'as pris. Mais je te l'ai donné, je te dis. Bah, dans tes chaussettes. Chut. On regarde le film, c'est la réponse. Eh ouais, et casse-nous pas les couilles avec ton film, tu seras bien gentil, toi. C'est ça, ouais, va te faire enculer avec tes chutes.
Mais ces boîtes-là sont vides. C'est Noël ? Ouais, c'est Noël. Tomber, hein. Fais gaffe, c'est la dernière. Messieurs, s'il vous plaît, vous ressortez immédiatement par là où vous êtes entrés. Vas-y, casse-toi, va niquer ta race, toi, dégage. Je vous préviens, j'appelle la police. Hé, hey, appelle ton beau-frère, on va l'enculer en même temps. Faudrait peut-être qu'on se casse, là, non ? Ben non, vas-y, on s'en bat les couilles, on est bien, là. Martin ? Monsieur ? Quel jour sommes-nous ? Mais... Je serai là, monsieur. Tiens, les keufs ! Bon ! Bon, monsieur, vous nous suivez ? Allez. Allez-vous. Bon, tu viens, hein. Vous êtes sûr que je ne voulais pas que je place ces lettres avec les autres ? Ne touchez pas ces lettres. 30 fois, je vous... Doucement ! C'est quoi ça ? Ça dit touche pas à ça, toi ! C'est quoi ça ? C'est de la dope ? Mais c'est pas de la dope, ça ! C'est un ketchup, ça ! Vas-y, ouvre-le ! Si tu l'ouvres, tu vas avoir une mauvaise oeil jusqu'en enfer ! Non, c'est vrai, c'est un talisman, ça. Ouvre-le, PD, va ! Pouf, va ! Laisse-moi enculer, va ! Attendez, là, attendez ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Allez, faire filer, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas payé la place de ciné. Je la paye, sa place. Il est trop tard, monsieur. Ah, là, laissez-le, je sens que vous allez frapper, là. Je lui ai dit de circuler, il va aller faire ici. Lâche-moi ! Vas-y, lâche-le, c'est bon, maintenant ! C'est bon, ça y est ! Putain, les enculés. Hey, je peux te dire que maintenant l'annuaire du 95, je le connais par cœur. Il est épais et il fait mal. Tu penses à rien ou quoi ? Vas-y, tape-moi ! Vas-y ! Vas-y ! Viens ! Ça va te taper, y'a que ça que tu connais, toi ! Y'a d'autres moyens, peut la fonctionner un peu ta cervelle ! Elle fonctionne ! Tu veux que je te fasse voir qu'elle fonctionne ? Ah ouais. Viens, on y retourne ! Lâche-moi. Viens, on y retourne ! Viens, on va leur niquer leur race ! Lâche-moi ! T'as payé tes dettes, là ? Malik ! Nique sa mère, Malik ! Viens, on y retourne, putain ! Viens ! Viens, toi ! Ça va, ouais ! Lâche-moi ! On va leur niquer leur race tout seul ! Hey, t'es pas marrant. Hey, tu sais que t'es pas marrant comme mec, toi. Sur la vie de maman, t'es pas marrant. Jamel ? Ça vient. Comment t'as fait pour venir jusqu'ici ? Ça rangeait pour ton frangin ? Ouais. Heureusement, ils ont rien trouvé sur lui. T'aurais pu attendre longtemps. J'aurais attendu. C'est gentil, ça. Qu'est-ce que tu fais, là ? T'inquiète pas. Pas de problème. T'es fou, mais je rentre pas là-dedans. Panique pas, c'est ok. Y'a pas de gardien là-dedans ? C'est moi le gardien. Tiens, c'est le maillot de bain de la maître nageuse. Ah, je vais pas mettre ça ? Mais si. Ah non, mais je vais pas me baigner là. Mais si, tu vas te baigner. Viens ! Plonge ! Thank you.
fait? Merde, c'est les keufs. T'as quand même mon cravaché. Tu veux pas de moi? Écoute, je te respecte trop pour ça, Salia. Comment ça, tu me respectes? Mais c'est quoi, ce respect-là? Moi, t'es différente, Salia. Je suis quoi, alors? Écoute, si j'ai envie de tirer une fille, je vais à Strasbourg-Saint-Denis. Après les avoir baisées, j'ai envie de les jeter, si tu veux savoir. Mais toi aussi, t'es niqué de la tête. Écoute, Salia, t'es pas comme les autres. T'es différente. Te fais pas d'idées sur moi, Jamel. C'est trop grave, sur le courant, il n'y a pas de mots pour définir ce que t'avais. Vas-y, avance. Il m'a pas touché. Lâche-la, je l'ai pas touché, ta sœur. Sur le courant, tu l'as pas touché. Je l'ai pas touché, ta sœur. Tu l'as pas touché. Je t'assure, je l'ai pas touché. Putain, je t'ai pris en flag, là, tu me dis que tu l'as pas touché. Tu l'as pris la bouche, là, il y a un instant, tu l'as pris la bouche. Putain, c'est Dieu qui a voulu que je vois ça, moi, j'avais pas l'intention de venir ici, espèce d'enculé, va. C'est vrai ce qu'il te dit, mais il m'a pas touché. Toi, ferme ta gueule. Rentre à la maison. Déjà, demain, c'est l'examen médical direct. Le certificat, tu vas me le montrer sans pitié, vas-y, avance. Lâche-la, je l'ai pas touché, ta sœur. Dégage 15 points, toi, déjà. Arrête, putain, je l'ai pas touché, ta sœur. Vas-y, enlève tes mains. Sur la bine à mère, je l'ai pas touché. Même pour elle, t'as aucun respect, tu me dégoûtes. Eh, tu parles pas de ma mère. Moi, je parle de ce que je veux. Tu parles pas de ma mère. Vas-y, viens. Je la respecte. Elle est pas rien pour moi. Je l'aime. Tu te prends pour un poète en plus? Je peux me faire confiance, on se connaît quand même. Justement, imagine quelqu'un de la famille la prenait. Je passe pourquoi, dis-moi. Écoute-moi, ce que je veux, ta soeur, c'est rester avec elle. Non, c'est vrai là? Tu parles sérieusement? Sur ma tête. Si tu veux rester avec elle, ce qui compte, c'est que tu la respectes. Sa virginité, t'y touche pas, surtout pas! Tu prends pour qui là? Et vous voyez pas dans la cité, d'accord? Vous fréquentez hors de la ville, parce que le téléphone arabe, ça va vite. Surtout dans cette cité-là. T'inquiète pas. Et si tout se passe bien, peut-être que ma mère ira prendre le thé chez la tienne, qui sait? Et tu viendras bouffer parce que c'est à la maison. Inch'Allah. C'est quoi? Je préfère que ça soit toi plutôt qu'un autre. Moi, toi, je te connais. Tu prends là, tu veux qu'on se fasse pression ou quoi? Il y a des voisins là, tu les as vus les voisins? T'as appelé le mec? T'as téléphoné? J'ai pas réussi à l'avoir le proprio. Ils m'ont fait lanterner. Je suis sûr qu'ils sont sur écoute. En plus, ils voulaient savoir d'où j'appelais. J'ai raccroché. Ah ouais? T'as raccroché, connard. T'as raccroché, tu retournes, d'accord? Et tu rappelles. Jusqu'à ce que tu l'aies. Je m'en branle que tu te fasses serrer. Faut que la thune à tombe, c'est tout. Tu vas prendre même pas un billet de 10 000 là pour s'acheter un roca là. On a plus une thune. Et lui, tu le rentres tout de suite, lui. Lui, tu le rentres tout de suite, là. Tu te crois où, là? T'es à la fin du trône, là? Faut lui faire de l'exercice, sinon il va crever. Qui crève, je m'en branle. Sinon, c'est moi qui vais le crever. Allez, rentre-le. Rentre-le, connard. Et vous, tirez-vous, là. Allez, va. Allez, viens. Écoute, Jamel, faut plus qu'on se voit. C'est à cause de ton frère? Qu'est-ce que tu crois? Je fais ce que je veux chez moi. La balance à ton vieux ou quoi? Non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas si simple. Puis tu sais rien de moi. Vas-y, viens, saute. T'es fou, c'est haut. T'as peur ou quoi? Tu vois, lui, il a confiance. Si toi, t'as pas confiance en moi, c'est pas la peine. Moi, je me casse.
Mais pas au pied du mur, Jamel. Me pousse pas. Écoute, Salia, je suis prêt à tout pour toi. Je suis même prêt à les braquer s'il le faut. C'est pas ce que je te demande. C'est quoi? Mais dis. J'ai deux mains et deux jambes. Je suis capable d'assurer pour deux. Écoute, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Je veux que tu deviennes ma femme. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Je veux que tu sois ma femme, Salia. Allez, mec, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que j'avais du travail. On rigolait. Toi, tu parles beaucoup, mais on t'a jamais vu avec une meuf. Comment ça? Ça veut dire que tu me prends pour un travelon? C'est vrai, mais faut avouer, tu t'es jamais fait sucer au bois de boulot. Bien sûr, je me suis fait sucer, vous me prenez pour qui? Mais arrête, t'as fait semblant, t'es passé derrière le buisson, tu t'es floupé, t'as fait semblant. Tu vas le laisser. Ouais, ça, en plus, un salon, on te voit jamais avec des meufs. Bon, à part avec ta sœur. Comment ça, par? Ouais, vas-y, on est tranquille. Arrête, franchement, Laurent, t'assure pas, là. Arrête de faire n'importe quoi. Attends, vous ouvrez tous vos gueules, qu'est-ce que vous pariez que maintenant, si on monte à Paris, là, je me lève une meuf? On varie pas? Ah, j'ai pas de gens. Qui c'est qui paie l'essence? T'es mesquine, t'es un clochard ou quoi? Bon, attends, je suis pas mesquine, mais qui c'est qui met du coco dans ma tiroir? Si je me lève pas de meuf, c'est moi qui te mets le plein. Le plein? La vie de ma mère jusqu'à ce qu'elle déborde. On y va? Sans moi, les meufs. Qu'est-ce que tu fais, chérif? Tiens-nous. Tu restes là? Bon, putain, je suis là. Bon, les gars. Ah, les affranchis! Oh! Au revoir! Bien. Eh, paraît que vous avez eu des embrouilles avec les mecs du JB. Oh. Tu leur as donné leur race, hein, comme d'habitude, hein. Ça va. Bien. Si vous voulez qu'on aille les niquer à domicile sur la vie de ma mère, je suis là, mon gars, y a pas de problème. Vous faites quoi, là? Vous allez où, là? Vous allez à Ripa? Et vous pouvez pas me jeter vite fait, là, à Stalingrad? Vas-y, hein, t'es mon. Oh, stylé. Mais vas-y, dis pas n'importe quoi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Y'a même pas de coco, comment tu veux qu'on bouge ton Ripa? On bouge même pas de la cité, on va juste boire un coup chez les rouges, à côté, là, je te promets. Sinon, on t'aurait déposé. Vas-y. Amusez-vous bien, hein. On aurait pu le prendre. Mais t'es ouf ou quoi? Il nous aurait amené acheter sa cam à Stalingrad. Je vais te dire un truc, ces mecs-là, moins tu les vois, mieux tu te portes. Putain, mais merde! Tu veux devenir ses repos avec le tas qui court, c'est ça? Je savais pas, moi. Il fait quoi, là? Il va s'acheter des slips ou quoi? Il va acheter des slips pour sa mère. Des strings. Des gros strings. Des slips pour rentrer dans le cul. Oh non. Oh, enculé. Il a réussi à pécho, hein, regarde. Mais attends, je rêve ou quoi? C'est la meuf de notre boîte de nuit, c'est sans culotte. Mais non, c'est sa copine. Vous êtes en boîte, vous êtes même pas venu me chercher? Hein? Moi, je veux niquer son plan, quoi. Mais non, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Reste là, fais pas n'importe quoi. On est venu te chercher, t'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En tout cas, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Il a pas intérêt de se sauver par derrière. La meuf, il a pécho, il a fait tourner. Moi je m'en fous, je te dis, il nous prouve qu'il va la baiser, sinon il va payer le plein d'essence. Je suis à sec, moi, mon pote. Alors, je comprends pas. Elle a rien voulu savoir. Je suis mal sapé ou quoi? Tu nous embrouilles là. Cette meuf, tu la connaissais, franchement. Moi aussi, je peux aller boire un pot avec une copine. Alors maintenant, tu vas payer le plein, mais. J'ai pas de thune. Quoi? Comment ça t'as pas de thune? Ouais, j'ai plus de thune. J'ai tout claqué, ce qui me restait avec la meuf au café. J'ai plus rien, désolé. Oh putain, c'est trop grave, y'a plus le whisky. Ah, mais comment on va rentrer à la cité là? Espèce de bouffon, va. De quoi tu m'as traité là? De bouffon, va, fond bout. Je suis un bouffon. Ouais, t'as quoi? Reste tes mains, mais. Arrêtez, arrêtez, que tu fais. Oh! 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 Allez! Oh! Allez! Vas-y, reste tes mains, mais. C'est pas évident de dépouiller un mec comme ça, franc. En plus, c'est risqué devant tous ces gens, regarde. Regardez autour de vous. Tu préfères rentrer à la cité en poussant la caisse ou quoi, là? Je sais pas, moi, y'a vraiment pas notre plan à faire, un truc plus discret. Si, moi j'ai un plan, moi. Bah ouais, lequel? Parce que franchement, les gars, je sens que j'ai pas la dalle, là. Regarde, tu rentres dans la Banque de France, là, avec ton petit couteau. Tu dis à tout le monde, colle-toi au mur.
Et puis tu prends tous les Pascal et on repart avec tout le genre. Putain, mais t'es vraiment teubé, t'as rien d'autre à dire ou quoi? Mais si. Et tu l'argent de petit Papa Noël, non? Petit Papa Noël, c'est vraiment des gamins. Descends du ciel, avec des billets par milliers. N'oublie pas mes petits souliers. Donne-moi ta clé, enculé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, vite, t'en as faim, vite! J'ai pas d'argent, j'ai rien, je suis là, écoute-moi, écoute-moi, j'ai pas d'argent, j'ai rien! Putain, que je veux, ça te vachera, je suis là! Arrête, écoute-moi, écoute-moi! Putain, grâce à toi! Je m'en bats les couilles! Ça me passe! J'ai comme toi! Je veux, ça passe! Je suis comme toi, moi, écoute-moi! Ma femme est partie avec les deux mondes, j'ai même pas de travail, je suis au chômage de vie, j'ai même plus de prolongation, je te jure, j'ai rien! Sois sérieux! Tu peux les dépouiller, mais moi, pourquoi tu tombes sur moi, je te jure? Écoute-moi! Alors la thune! Il a pas thune, il a pas quelque chose! Comment ça, il a pas thune? Il est sur la feuille! Ça joue à bourse, fils de pute! Putain, tu vas crasser ton oseille! Lâche-le, ça va, tu dis lâche-le! Hein? Tu dois 300 balles d'essence, il me dit lâche-le! Bah, si t'as pas dessus, tu vas me tailler le pipe! Suce-moi! Suce-moi, fils de pute! Suce-moi! Putain, mais arrête! Arrête, fusil, arrête! Arrête, que le fou, quoi! Laisse-moi cette lame! Laisse-moi ce couteau! Laisse-moi cette lame! Laisse-moi cette lame! Laisse-moi cette lame! Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me buter pour un fils de pute? Mais alors? Mais calme-toi, frère, calme-toi! C'est le diable! C'est le diable! Et lâche cette lame, Mess, donne la lame! Donne, viens, bouge! Venez, venez, venez! Viens! On va se faire du chez moi! Suivez-moi, vous allez voir! Allô? Ouais, écoute-moi bien, fils de pute! Ça fait une semaine qu'on essaye de te joindre! Ouais, c'est nous qui t'avons tiré ton canasson! Alors si tu veux le récupérer, faut vite que t'allonges l'oseille! Hein. 100 000, demande 800 000! On veut 150 000! Ouais, 150 000 en petite coupure! Usagé, hein. Alors pour l'instant, ton cheval, il est aux petits oignons. Mais si tu joues au con, on en fait un cul de jatte de ton bourrin. Et ma parole finit pour vous, les nocturnes à Vincennes. T'as compris, ordure? Vas-y, casse-toi. Il y en a d'autres, des cabines, casse-toi pas les couilles. Vous êtes chez vous, quoi? Ça fait un moment que j'attends pour téléphoner, monsieur. Dégage, je suis poussé, moi. Enculé de ta mère, va fils de pute! Tu veux téléphoner? Bah téléphone, téléphone! Gaspard-le! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui m'a dit qu'il était bon pour l'arcade. Pourquoi vous cassez le téléphone? Putain, tu comprends jamais rien, fais la marcher ta tête! Il m'a dit que quand on lui a volé le cheval, il était en route pour les abattoirs. Il m'a dit merci. À moi, il m'a dit merci. Toi, t'es casse-couille! Toi, t'es casse-couille! C'est bon. Allez, viens, on se casse! La retape? La retape, poisson. La retape, c'est les abattoirs. Nos chevals, ils vont en faire du steak caché. T'as compris ça? الحمد لله دراري كاع ما تهضرليش عليهم اللي عنده الاولاد عنده الهم والله غير عندك الحق الله يبارك الله يسلمك تعرفي علاش راني جيت نعم جيت طالبه سهلية سمحي لي سهلية دي سيرفير لو تي سي تو بلي ما شيري الله يبارك الله يسلمك جايه طالبه بتلحسب ونسب سهلية بنتك الجمال ولدي يا ما هضر لي عليها بزاف الله بصح ان شاء الله تقولوا لي صحه يا اختي انا من جهتي راني موافقه بصح لازمني نسقسي بابا على بالك عندك الحق ارواحي بني ترواحي الله يسلمك انا راني كي حبك وليدي انا تاني حبيتك seulement dis toi bien que le mariage c'est pour la vie en ce qui me concerne tu ne manqueras de rien du tout ديما jeune mariée pour moi
pour le trousseau, من هنا ل 15 يوم ندوها للبربيس ندو سهليه وانا وياك البربيس ونشرو لها ديزابيي هذاك الغوص والبلون والبلو كامل الالوان تبقى تشعل الله يسلمك تعرفي لي غوبا غاب لي جون دو ميتنو ما يلبسوش البنات صح تسمن شويه والجو عليها غا ان شاء الله فهمتي ملكة انا من جهتي راني موافقه راهي ليك ما انا نقدر نضرب فيها تزغريتها زغرتي على روحك Et la tête du fin et du rail. Jamais. Oh. Jamais. Oh, tu viens avec nous? On annonce la fête de samedi. Mais j'ai pas le temps, je vais travailler. Putain, mais merde, oublie le boulot. Dis-leur que t'es malade, c'est quelque chose. Vas-y, faut que tu viennes, faut que tout le monde s'y mette, hein. Yeah. Putain, pour 300 000, tu fais les jeux à la mairie, va. Sale fonctionnaire de mes couilles. Vas-y, va-t'en. Travailleurs, travailleuses, travailleurs de tous les pays, allez tous vous faire enculer. Grande fête à la salle Jacques Brel, dans le cadre de l'association Insertion, samedi soir. Jamel, mon fils, viens là. Qu'est-ce qu'il y a, Yama? C'est ton frère. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a pris la drogue. Je l'ai vu dans la salle de bain. Il a pris par les veines. Reste là. Reste là, c'est pas de sa faute. Qu'est-ce que t'as été prendre la gueule devant Yama? Mais laisse-moi, j'ai rien pris. Tu te fous de ma gueule? Je te jure, j'ai rien pris. Arrête! Arrête! Dégoûte! Vas-y, laisse-moi, de toute façon, je vais crever, moi. Vas-y, crève, arrête de faire du mal, Yama. Jamel. Arrête, 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 tu seras pas tranquille tant que tu seras là. Trop, je te passerai comme ça, tes papas, ils seraient vivants. Même ton or, il l'a vendu. Laisse-moi, arrête, de Jamel. T'as dit qu'il faut foutre dehors. Mais c'est ça, ma fou, ma d'or. Mais je vais se casser, moi. Crever. Et moi, tu crois que j'ai pas envie de taper aussi, hein? Tu crois que j'ai pas envie de tout oublier? C'est qui casse, là? C'est qui amène l'argent à la maison? C'est qui te fait bouffer? Envoie-le au bled. Si tu veux shooter, je shooterai avec le sable. Arrête, arrête, arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Il y aura un but. J'y arrive pas, maman. Je voudrais arrêter. C'est trop dur! C'est trop dur! C'est trop dur! Je n'ai pas ce que tu viens de me voir. Enfin, ça fait plaisir. Ça m'étonne un peu de toi, moi je croyais que t'étais une petite fille bien sage. Ton frère n'est plus dans le coin ou quoi? C'est sympa chez toi. Tes vieux, ils sont pas dans le coin? Ils sont dans le nord, à un baptême. Et mon petit frère, il est à l'hôpital. Ils te font pas chier au moins, t'as la belle vie. Bon, exagérons rien. Enfin, ça me fait plaisir de te voir. Je te dérange pas, moi. Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Ben non, Salia, tu me déranges pas. T'avais pas parlé de musique? Parce que j'aimais bien le morceau que t'avais passé dans la voiture l'autre fois. Ah ouais, merde, les cœurs. Mais écoute, j'ai pas réglé le problème parce que je devais voir un mec qui devait me prêter un studio, un 16. Peut-être même un 24 pistes. Tu peux pas mettre un disque? Ouais, excuse-moi.
a plane. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Peut-être que je me trompe sur les gens. En fait, c'est eux qui sont cons, c'est pas moi. Pourquoi tu dis ça? Tu vois, je fais des calculs pendant des heures. Et je me prends la tête et je me demande ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Puis 5 minutes après, je fais tout le contraire de ce que je m'étais dit. En fait, je m'embrouille et j'oublie tout ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Tu crois qu'on peut arriver à faire ce qu'on veut? Bah sûrement, ouais. Moi j'ai dit que oui. Puis je te prends la tête avec toutes mes histoires. Mais non, Salia, non. Je t'assure, au contraire. Tu sais que mine de rien, ça m'arrive souvent de penser à toi, Salia. Qu'est-ce que tu fais? T'as la peau douce. Jamel, il y a quelqu'un pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Passe-moi de la thune, Jamel. Je t'en supplie, mon pauvre. J'ai pas de thune! Je suis malade, Jamel. Faut que tu m'aides. Tu peux pas me laisser tomber. Y'a Malik qui est passé à la maison. Il te cherchait. Il a foutu sa merde avec Emma. Viens, viens avec moi, on va le fumer. Viens, on va lui niquer sa mère. Viens, on va lui fumer sa race une bonne fois pour toutes. Viens avec moi, viens. Vas-y, dégage. Et viens plus à la maison. C'est pas la peine. Ça, ça va se terminer. Comment tu me parles, là, Jamel? Tu me dois le respect, oublie pas ça. Je suis ton grand frère, moi. Je suis ton grand frère. Qu'est-ce que tu fous? Tu dois rester ici? Non, non, je dois. Tu peux entrer? Qu'est-ce que tu veux, mec? J'ai quelque chose à dire. Tu sais, la gonzesse de l'autre jour, là. Celle du café, là. Eh ben, je l'ai revue. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai un ticket avec elle. Tu peux pas savoir, Laurent. On va au musée, on se promène comme des fous. On kiffe ensemble comme des malades. C'est la première fois que ça m'arrive. Ses parents, c'est des légumes. Des blindés. Tu crois qu'une meuf comme ça peut s'intéresser à moi? Ou alors c'est juste pour s'amuser? Toi, tu t'y connais, tu t'en es déjà tapé des petites bourgeoises. Hein? Vas-y, parle! Sérieusement, je sais pas, mais... En fait, tu t'en branles, toi, c'est ça? Hein? Tu préfères les rebeux comme ma sœur, enculé! Attends, tu hein? vas où, mais... T'as couché avec elle! Vas-y, arrête. Dégage de là! T'as couché avec elle! Mais où touche pas cette femme! C'est ses bracelets? Réponds, c'est ses bracelets? Elle est venue ici? Réponds, je te coupe en deux! Ma sœur, je la torture! Je reviens avec un fusil, je te bute, enculé, va! Ok, Mez, elle est venue, mais je te jure, je l'ai pas touchée, c'est elle qui est venue, Mez, j'ai rien compris, ma parole. Putain, mais quelle merde, tu te rends pas compte du merdier, là? Bah quoi? Mais elle sort avec Jamel, ils vont se marier, putain, ils vont se marier. Faut surtout que personne ne sache qu'elle est venue, t'as compris? Personne. Je dirais rien, mais... Jure-le-moi. Mais oula, Mez, je dirais rien sur la vie de mon petit frère, il va se faire opérer demain à l'hôpital. Je dirais rien, Mez. Putain, t'as de la chance que j'ai quelque chose à faire, mais je reviendrai, je te réglerai ton compte, espèce de pédé, va. Diane, qu'est-ce qui se passe? Pas chez tes parents? Rentre. T'as mangé? T'aurais dû me dire que tu faisais rien ce soir, on aurait bougé sur Paris. Alors t'as pas réfléchi pour tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a? T'es la tête que tu fais là? Avec Laurent. Hein? Pourquoi tu me dis ça? T'as couché avec Laurent? Je voulais pas te mentir, Jamel, c'est pour ça. J'ai fait une connerie, enfin, j'en pouvais plus, fallait que je te le dise. C'est pas vrai, pourquoi tu me dis ça? Tu veux dire qu'il t'a baisé? Putain, mais c'est pas ça qui compte, Jamel, ce qui compte, c'est maintenant. T'as été chez lui quand? Arrête, Jamel, on s'en fout.
T'as baisé. T'as déchiré. Je m'écoute pas. Arrête, Jamel. Casse-toi. Casse-toi. On leur fera faire des tours, ça fera le tour, on peut gagner de la thune. Allez, dégage de là, dégage. On peut se faire améliorer fortune, merde. Blandine, dégage de là, connard. Dégage, connard, paysan. Bon, j'espère que vous amusez bien, là, ce soir, non? Bon, je tiens à rappeler quand même que cette soirée, dans le cadre de l'association Insertion, que nous l'avons mis en place grâce à la municipalité. Tranquille, oh. Putain de merde, oh. T'es là, alors. De prouver qu'on est capable de faire des affaires, non. Ça parle d'aller, tu fais la gueule ou quoi? Hein? Là, faut que je te vois. Allez. Ma sœur, ça se passe bien, parce que je t'ai prévenu que couscous est en train de chauffer, là. Ta sœur et moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu dis? Ta sœur et moi, c'est fini. Comment ça, c'est fini? On avait fait un deal, on était bien d'accord. T'es un autre meuf ou quoi, Jamel? Oh, lâche-moi. Oh, faut me le dire, c'est normal, ces trucs-là, c'est en train de faire une doublette. Ta sœur, je veux plus la voir, c'est mon problème. J'ai même pas à t'en parler. Eh, hey, mais c'est ma sœur qui s'agit, Jamel. Tu la désolores pas, nous, on vient des montagnes. C'est comment ça se passe, là-haut? Alors arrête de faire tes conneries. Mais je souffle la meuf qui vient d'arriver. C'est qui cette poufiasse? Ma mère aussi. Mais c'est ta sœur, Mez. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Il est en train de tirer sur tout le monde. Je vous encule. Hey, vous êtes fous là, hein? Bande de bâtards. Je vous encule, vous les juges, vos mères, je vous encule tous. Bande de pédés. Oh, pardon, madame. Non, je vous jure, madame, j'ai pas fait exprès. C'est ça, c'est chez vous, la bande de bâtards.
Sardine, putain, ça va pas ou quoi? Quoi, je fais rien de mal. Je veux juste réveiller le quartier. Regarde, ouvre tes yeux, il est mort, ce putain de quartier, là. Fais-moi ça. Ça va pas, Nordine, tu déconnes. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là. Faut qu'on s'arrache. Attends, attends. Attends, pour une fois qu'on peut parler, on est bien, là. C'est pas le moment, Nordine. Quoi? Quoi, t'es pas bien, là, pour discuter? Regarde. Regarde, ouvre tes yeux. On voit toute la ville, là. On est que tous les deux. Tous les deux sur ce putain de toit, là. T'as même le soleil. On est pas bien, là. Viens, assis-toi. Tu sais quoi? Comment j'ai eu des boules quand papa il est mort? Sans arrêt, il disait Nordine, c'est le plus intelligent. Celui qui travaille le mieux à l'école. C'est vrai, pourtant je foutais rien. C'était facile pour moi. Et puis quand il est mort... Quand il est mort, là, je me suis dit, Nordine, maintenant, faut que t'assures. Mais plus je me disais ça, et moi, j'ai arrivé à assurer. Tu me crois, Jamel? Plus je bossais, et moi, j'étais bon. Après, quand je me suis fait virer de l'école, j'y suis retourné. Rappelle comment je leur ai niqué la race. Je leur ai tout brûlé là-dedans. Il faut qu'on s'arrache. Attends. Viens, lâche-moi. Attends. Des fois, je vois papa. J'ai envie de lui dire. Mais qu'est-ce que tu me chantes là, hein? Qu'est-ce que tu me chantes que tu comptes sur moi? C'est toi qui es parti, putain. C'est toi qui nous a laissé tomber. Alors arrête, putain, arrête de nous dire qu'en Algérie, tu marchais les pieds nus dans la neige. On s'en fout, nous. On en a rien à foutre de tes conneries. Nous, ici, on marche en basket. En basket, et on a le cœur gelé. Ça va les tapettes? Ah les cow-boys! Fais pas le con, ça va mal finir. Je t'emmerde. Toi et tes collègues, je vous encule. C'est clair, ça, dans ta tête? Dépose ton arme. Garde ton calme. Garde ton calme. Les mains sur la tête. Tu mets les mains sur la tête? Mets les mains sur la tête. On ne veut pas de mal. On veut pas de mal. Tu veux pas de mal, toi? Regarde, t'es beau, toi, John Wayne, là. Détendu, hein? Détendu. Pouf, cul des tarasses maudites, ma bande de bâtards. Je vous encule. C'est clair, ça, dans ta tête? Je vous encule. Du calme. Et l'autre, vous avez même amené une salope avec vous? Hein, ma poufiasse? Dépose ton arme. Hein, connasse? Sa petite salope, va, petite pute, va! واش ندير الحباب واش ندير عندك ما يريح مع ربي ظلموا عليا الحاله قلت لي ولادي كنت حابه نفرح به ما رحت مع بابا راح وليدي وغبنوني موت الغربه واش ندير يا نور الدين وليدي قلت له ما طلعتش بيك واش ندير يا نور الدين وليدي ربي يخليك روح لها ولدي خلوني نلحق ولدي نموت معاه واش صبرني عليك يا نور الدين
donner, tu vois. Jamel. Je sens pas aller, que vous voulez dire, je sens pas aller. Putain, les enculés! Y'a pas de mots pour calimétage, déjà, y'a pas de mots! Dieu, il a pas pu voir ça là, il a pas pu! Mais avec toi, Jamel, c'est vraiment tous des fils de pute! Putain, j'ai la rage, on va les niquer, ces fils de pute! Faut prendre la gueule! Mais ma mère, j'ai la rage, moi! Ils n'ont buté pas, c'est nos frères qui sont retués! C'est pareil! On va tout cramer! Arrêtez de délirer maintenant! Mon frère, c'était avec Jamel! Ça a défoncé, c'est tout! Là, moi, je la mettais tous les jours par là! Arrêtez de délirer là! Mais attends, arrêtez de vous chauffer la tête! Mais qu'est-ce que tu proposes alors? Rien du tout! On va rien faire du tout là! C'est pas la peine de vous chauffer tous la tête là! La marre cette putain de violence là! J'en veux pas moi! J'en veux pas putain! Fais là. Ça va ta mère? Des chants avec elle? Enfin, c'est trop les boules pour ton frère. Je voulais te voir. Fallait que je te voie. Si je voulais te voir.
tout ça, ça m'a donné à réfléchir. Je me suis mal pris avec toi. Je t'ai pas compris. J'étais con, je t'ai même pas écouté. Je vais quitter la cité. J'ai décidé de partir. Tu vas faire comment? Tu vas habiter où? Je vais habiter chez ma cousine Jamila. Pour le reste, je verrai quoi. Je suis triste, Salia. Sur la vie de ma mère, je n'ai qu'un. Je me suis reproché de moi de leur. Un mec comme ça, je lui mets en pleine gueule, avec pas sa visière. Je crois qu'il est mort, fils de pute, il est mort. Ouais. Sur combien? Deux quarts, ça va encore, ça va. Tiens, vous savez ce qu'on va faire, les gars? On va les reprendre à revers et on va tous les niquer. Mais t'es fou là, t'as une compilation. Alors? Regarde, compilation. On s'en bat les couilles. Alors? On va se faire commissariat. There is a place in New Orleans they call the rising sun. It's been the room of many a poor man, and Lord knows I'm one. My mother, she's a tailor. She stitched my new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. حبك بكاني راني صابر لا دبي. حبك للشاني ما تروحي وين الدايني. انا صابر بعقلي شكون اللي زادني هبالي. من اللي عرفتك راني انا ونشك بخيالي. Hops a trigger ups, but the bass the narrow has cups. Good to boy mask man strong narrow has kit. I out this only hell. Nobody love me, come upon me. الإخوان وين هي عشرة الناس راني في حالة تراس كيف نخرج من الهواس. Master drop bass, the narrow beady African brothers. We're not the brand for what it was, but it was. Good to be a master.